Symposium international d'histoire à la redécouverte de notre histoire. Connaître son histoire est une façon de se projeter dans l'avenir et d'élaborer le plan de développement d'un pays. C'est dans cette optique que le Symposium international d'histoire, civilisation et culture se fixe. Ainsi, un grand moment de mobilisation scientifique et intellectuelle va voir le jour durant l'organisation à Madagascar de ce symposium qui en est à sa première édition. Une quarantaine de savants nationaux et internationaux sera présent durant les trois jours de l'événement du 28 au 30 novembre 2017 au Centre de conférence internationale d'IVAT. D'ores et déjà, chacune et chacun s'accorde sur le fait que cette population austronésienne, dénommée ultérieurement Malagas, créditée du premier contact sur ce que l'on nommera finalement Madagascar, font du peuple Malagas les descendants des premiers navigateurs de l'humanité. En effet, capables d'effectuer une navigation hauturière et maîtrisant le chemin des étoiles, ces premiers navigateurs de l'humanité ont largement préfiguré une forme de mondialisation commerciale et économique. En tant que partenaire média, le groupe MATV saisit cette opportunité pour mettre en valeur la civilisation, la culture et l'histoire afin de combler son rôle. Écoutons les explications du directeur de la publication. Pour ce qui est du symposium international, je dirais que c'est une grande opportunité pour nous en tant que partenaire média. C'est une occasion de participer à un événement qui mettra en valeur la civilisation, la culture, l'histoire, des notions qui malheureusement tendent à se perdre de nos jours, surtout auprès des jeunes. Et pour nous, c'est une occasion de vraiment participer à ce genre d'événement parce que il ne faut pas oublier que la presse a une triple vocation, c'est-à-dire éduquer, informer et divertir. Donc nous adhérons au concept et à l'objectif même de ce symposium. Et c'est pour cela justement que nous allons nous mobiliser pour attirer tout le monde pour assister à l'événement aussi et faire connaître l'événement. À cette occasion, un hommage au docteur Joseph Rassamman sera rendu. Il est reconnu comme étant le premier savant de Madagascar, dixit le professeur Albert Akoutratsimamang.